What? Bonjour, bienvenue de retour à Would You Kindly Play Resident Evil Village. Vous voulez acheter quelque chose? On va voir, je ne pense pas. Obtenir de la marchandise est plus important. Je vous souhaite de faire bonne route. Merci, Duc. Ok. Si on continue tout droit, on a un truc à crocheter ici. Puis un truc à crocheter dans la salle d'opéra. Ah, c'est ici. Crochetage. Parfait. Il y a un truc dans le couloir là. Et voilà. Donc, je pense qu'on va couper à travers la salle à manger. C'est au deuxième étage. Non. Au bout du couloir. OK. Très bien. J'ose espérer qu'elle est en train de monter les marches. Elle est dans mon dos. Tu penses pouvoir faire disparaître la lignée des Dimitrescu? Un avorton comme toi? Merde! Allez. Duc. Ok.
Donc, tout le reste est sûrement sans importance. Oh, c'est bon, on peut y aller. Imposant. Imposant de tous les côtés, oh là là. Je manquais des trucs sur la passerelle, lui. Vraiment? On y retourne? Ah! Pourquoi on mettrait un vase à l'extérieur? Hmm, de l'argent. Très bien, très bien. Et voilà. Ok. Comment oses-tu parler de sauver ta
Très bonne question. Wow. Je refuse. Ça va. Sois maudit. Adieu, dame des maîtresses. C'était un plaisir de vous connaître. Dommage. Ah, c'est moche. Parle pour toi, ma grande. Oh. Je peux enfin quitter cet endroit. Un bocal étrange. Bon, est-ce que tu viens avec moi, créature? Non? Bon, mais j'y vais tout seul, alors. Bye bye! Rose.
Fabriquer l'objet qu'on m'avait demandé, passe par la grotte et traverse les ruines jusqu'au village. En arrivant, tu devrais voir une maison avec une cheminée rouge. Porte-la là-bas. Bon, encore parce que je sauvegarde jamais assez. Voilà. Oups. Rien. Oh non, il y avait un truc. Ethan. Oh. Bon, là, il y a une manivelle qu'on peut pas maniveler. Pont-levis qui n'est pas le visé. Oh, quand même. On se calme, on va pas gaspiller nos meilleures balles pour un cadenas. Quelle athlète, ça, Ethan. Oh là là. Mais ce sont des poissons! Allez, meurs, poisson! Il m'énerve, celui-là! Merci. Ethan est un pêcheur de qualité exceptionnelle. Il dégomme le poisson à coups de pistolet. Entendez-nous, unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, grand-mère, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous attendons la lumière salvatrice dans la vie et la mort. Gloire à Mère Miranda. Hé, hey, vous vous souvenez de moi? J'ai failli mourir dans ce château. Maintenant, dites-moi ce qui se passe ici. Comment un homme peut-il faillir à son destin? Cela mérite réflexion. Vous m'avez très bien compris. J'ai toujours pas trouvé Rose. Où est-ce que Miranda l'a emmenée? Tu arrives trop tard. Ou tu as failli arriver trop tard. L'enfant sera sacrifié. Une vie pour une vie. Mais c'est quoi ces conneries du Moyen-Âge? C'est qu'un bébé? Les emblèmes des quatre lignées ouvriront peut-être la voie que tu cherches. J'ai pas le temps là pour les énigmes. Dites-moi où est ma fille. C'est pourtant très clair, Ethan. Ce n'est une énigme que si tu ne connais pas la réponse. Attendez, ça me dit quelque chose. Hé, revenez! Mais oui, c'est plutôt évident. Il y a un machin sur le logo d'Umbrella. Ça, c'est Dimitrescu qui s'est réglé. Bienvento, c'est notre prochain arrêt, suivi de Moreau, puis Heisenberg en dernier. Tout est clair, pourtant. Ce qui est pas clair, c'est pourquoi elle a laissé la clé au lieu de la prendre avec elle. Parce
Parce que franchement, tant qu'à être un vilain qui abandonne derrière lui les clés qui permettent d'aller tuer les autres vilains, on repassera côté diabolique, hein? Déjà vu mieux. Allez, Ethan, ouvre cette porte. Wow. Ils sont tous droits à des statues, quand même. Hey, c'est l'industrie d'Eisenberg. Mais c'est tout près. Le château, magnifique. Bon, ben si un jour on retrouve ma femme, on pourrait lui proposer de s'installer dans le château. J'ai entendu que les occupants ont parti de façon rapide et inopinée. Ah, mais oui, je n'ai rien à mettre. Ça semble familier, bien sûr. Bien sûr que ça semble familier, Ethan. Ah, tiens donc. Très bien. Ouais. Je peux peut-être les dégommer avec mon sniper. Quand même, oh là là. Bon, trop près. Maintenant, on change. On va aller débloquer la passerelle. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien du tout, très bien. Ah non, on peut pas débloquer la passerelle. Très bien. Quelqu'un! Oh, il s'est relevé! Qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré un machin qui était pas clair du tout. Oh! Ce n'est pas la bonne clé. Mais quelle clé tu veux, toi? Celle-là? Non. Ce n'est pas la bonne clé. Mais quelle clé tu veux, bon sang? Ah, très bien. Bonjour, Duc. Voilà. Je me doutais que vous passeriez par ici. Mm-hmm. Ça ne servit à rien. Vraiment?
Je suis sûr que vous avez récupéré quelque chose de précieux. Oui, un buste cristallisé. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Eh bien, c'est votre fille que vous tenez entre vos mains. Qu'est-ce que vous dites ? Regardez de plus près. La tête de Rosemary Winters. Ce bocal semble contenir sa tête. Toute petite tête. Toute petite. Rose et... Putain, fermez-la! C'est impossible. Je crois pas. L'esprit de votre fille est toujours intact. Ses pouvoirs sont vraiment uniques. Qui ferait une chose pareille? Elle peut être sauvée, vous savez. Sauvée? Mère Miranda, écoute quand on parle, Ethan. Mais vous êtes malade. Il y a une maison avec une cheminée rouge dans la partie ouest de ce village. Mm-hmm. Allez trouver l'homme qui y habite. Nous pourrons alors poursuivre cette conversation. Non, si vous savez quelque chose, dites-le maintenant. Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr. Mais avez-vous d'autres options? Pas vraiment. Donc on y va, Ethan. C'est vous qui voyez. Le client a toujours raison. Mmh. Après tout. J'espère pour vous que c'est pas des conneries. Non, j'espère, hein. Putain de guignol. Les gros mots, Ethan, oh là là. Bon. Vous voulez acheter quelque chose? Je veux te vendre le buste Dimitrescu. Parce que ça vaut quand même cher. Et du poisson. Et voilà. Oh, dame Dimitrescu. Belle même dans la mort. Ce tour de taille, oui. J'ai du nouveau en stock. Du nouveau? Oh là 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 là! Comment faire des bombes à tuyaux? Ah, la merde. Ça coûte cher. Allez. Ah, ah. Mm-hmm. Avec plaisir. Allez, hop. Capacité, oui. Mm-hmm. Et voilà. Magnifique. Donc, merci de votre visite. Sauvegarde. Donc on va s'arrêter ici. Prochaine étape, la maison avec la cheminée rouge. Je sauvegarde, je suis parano de la sauvegarde. Merci d'avoir été ici avec moi. Et la prochaine fois, on se retrouve pour la suite. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye bye bye. Ciao.